Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vous explique comment aligner votre viseur avec le reste de votre arc. C'est parti! Donc, je fais cette vidéo, c'est pour aider les gens qui ont un problème de latéral quand ils passent de courte ou longue distance. Donc, le problème vient du moment où vous descendez votre viseur ou vous le montez. Si votre viseur est de travers, on va généraliser en fait. Si votre hayton est ici et qu'au moment où vous le remontez, il est là, vous allez avoir un décalage entre là et là, ce qui va vous donner du latéral. Et en fait, je vais vous aider à résoudre ça en ayant un viseur ultra droit pour ne plus avoir de problème de latéral lorsque vous changez de distance. Bon, après, ça se peut que vous ayez des problèmes de latéral, mais ça, si vous savez pas régler votre berger, c'est, je vais vous dire, c'est pas le même truc, quoi. Parce que entre si vous avez le berger qui est pas réglé, votre viseur de travers, alors là c'est sûr que vous arriverez à rien du tout. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment redresser votre viseur et avoir un viseur ultra droit pour plus avoir du tout de problème de latéral. Et puis bah ça sera bien déjà. Après on fera une autre vidéo plus tard sur comment régler son berger. Non, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Là je vous montre comment on fait. Allez! Donc en premier lieu, vous devez poser votre arc sur une chaise. Si vous mettez votre stable sur la table, comme ça votre arc est à peu près droit. Vous avez facilement la main dessus. Quand votre viseur est installé, il va juste falloir le dévisser et le mettre à l'envers. Vous allez faire en sorte que votre viseur soit juste devant ou juste derrière. Et donc voilà, votre hayton est derrière votre corde, comme vous voyez. On voit bien que le grain d'orge est juste dans l'axe de la corde. Donc pour vérifier si votre viseur est aligné, il va falloir prendre la gâchette rapide pour monter ou descendre. Vous allez monter jusqu'en haut et vous allez voir s'il y a une différence au niveau du point du grain d'orge avec la corde. S'il y a une différence, ça veut dire que votre viseur n'est pas aligné avec votre corde, donc vous allez avoir du latéral. Donc là, on va monter le viseur avec la grosse gâchette et on va se retrouver dans le cas présent où mon hayton va être légèrement sur la gauche. Donc pour ça, il va falloir dévisser les deux petites vis qu'il y a derrière là, ici et ici. Et redresser le viseur à faire en sorte que le grain d'orge soit dans l'axe. Et après on répétera la même manipulation vers le bas pour voir si pareil, toujours dans le bon axe. Et en fait, si votre viseur se retrouve de sorte à être de ce côté-là avec le côté bas plus vers la gauche et le côté haut vers la droite, quand vous allez descendre votre viseur, vous allez avoir un problème de latéral parce qu'automatiquement votre hayton sera plus vers la gauche en bas et plus vers la droite en haut. Là, j'ai réglé l'alignement. Donc comme vous voyez, quand je monte et je descends mon viseur, mon grain d'orge ne sort pas de l'alignement de ma corde. Donc je suis en ligne avec mon arc et donc je n'aurai pas de latéral. Si par exemple je fais du campagne et que je passe du birdie à 15 mètres à la 80 à 60, j'aurai pas du tout de latéral. Et voilà. Et après il suffit juste, vous n'avez qu'à remonter votre arc. Et puis c'est parti quoi. Vous pouvez y aller. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Salut !